Très chers internautes, soyez la bienvenue sur OceanTVLive.com. Au micro, Kalouka Systématique, les mathématiques de la presse, dans l'émission Focus Politique. Une fois de plus, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons un seul point à l'ordre du jour: la candidature de M. Joseph Kabila aux élections présidentielles prochaines, c'est-à-dire le 23 décembre 2018. Le samedi dernier, les cadres de la majorité présidentielle se sont concertés à Kingakati et ils ont mis des stratégies en marche pour les élections prochaines, en commençant par la députation provinciale, nationale, jusqu'aux élections présidentielles. Mais ce qui est curieux, selon leur déclaration, ils ont réitéré leur confiance en M. Joseph Kabila, c'est-à-dire Joseph Kabila est leur candidat aux élections présidentielles prochaines. Mais la question que nous posons est que, selon la constitution en vigueur, M. Kabila ne pourra pas briguer un troisième mandat. Mais pour répondre à cette préoccupation, il y a un cadre de la majorité présidentielle ou bien du PPRD, pas de moindre, qui a déclaré sur les antennes de l'une des stations de télévision à Kinshasa pour dire que la CENI est le seul organe qui a compétence de recevoir des candidatures aux élections. Et à son tour, il va soumettre ses candidatures, c'est-à-dire la CENI va soumettre ses candidatures à la Cour constitutionnelle pour validation ou invalidation. La majorité présidentielle, nous y croyons Dieu comme fer. C'est pourquoi nous le disons encore, cap est fixé sur les élections. À tous les niveaux, nous aurons un candidat unique, président de la République. Et nous aurons des candidats à tous les niveaux. Que les choses soient assez claires. Dis-moi, vous êtes, il y a même une charte qui vient d'être élue il y a moins de 2 semaines, où la majorité a réconfirmé sa fidélité, sa loyauté au président public à Kingakati. Je faisais partie de la délégation. Où nous, dans cette charte, nous avons clairement dit que nous soutiendrons un candidat. Mais certains parlent que de Joseph Kabila comme candidat. Nous avons vu ici à Bellevaux, on a placé une banderole, notre candidat Joseph Kabila. Ce que les Congolais doivent savoir, et ça c'est les textes, n'importe qui peut s'illustrer ou peut déposer une candidature. Faudrait-il qu'elle soit recueillie par la CENI et validée par la Cour constitutionnelle? C'est ce que les Congolais doivent seulement retenir. Dans ce débat-là, c'est un débat de caniveau. Moi, je me fais Joseph Kabila présenter aujourd'hui sa candidature. Je suis en train de vous dire, c'est à la Cour constitutionnelle. C'est à la CENI de recueillir sa candidature et à la Cour constitutionnelle de les valider. C'est assez clair, ce n'est pas l'un de Papi Tamba, c'est votre plateau qui invente la roue. C'est comme ça que les choses devraient se passer. Mais alors, si nous lisons entre les lignes, c'est-à-dire qu'ils vont faire un forcing. M. Kabila va déposer sa candidature comme tout le monde. La CENI va accepter la candidature et ils vont soumettre ça à la Cour constitutionnelle. Et nous savons déjà que non, la Cour constitutionnelle est composée de gens qui sont à la portée ou bien qui sont à la commande de M. Joseph Kabila. Alors, ils vont valider sa candidature et ce qui va se passer, c'est quoi? Nous allons commencer à faire des bruits comme nous l'avons toujours fait. Et à la fin de la journée, je pense que peut-être certains ténors de l'opposition ou bien de la société civile pourront se retirer de la course et ils vont avoir des élections à l'égyptienne. Et M. Kabila va remporter. On va commencer à faire des bruits et ainsi de suite. La communauté internationale, comme nous le savons, va valider sa victoire, sa victoire, et il va être reconduit. Alors, l'heure est grave, extrêmement grave, très chers compatriotes. Les Congolais du Congo, comme les Congolais de la diaspora, nous devons déjà passer à la vitesse supérieure. Je reviens à un message que j'avais lancé il y a plusieurs mois. J'avais lancé ce message à M. Sindi Kadokolo, Moïse Katumbi, Katebe Katoto ainsi que d'autres richissimes congolais.
qui ont amassé de richesses au Congo à partir de leur exploitation ou d'exploitation minière ou commerce, ainsi de suite, de mettre leurs moyens en jeu. Parce que la situation dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si l'opposition congolaise ne comprend pas ce qui se passe, ils doivent maintenant, là, nous devons conclure qu'ils jouent le jeu. Ils sont dans le même complot pour la destruction de la République démocratique du Congo. Kabila ne va pas quitter le pouvoir, ne veut pas quitter le pouvoir. Il va faire tout pour s'y éterniser. Alors, c'est pourquoi je réitère mon message et ma demande à Moïse Katumbi et consorts de mettre les moyens en jeu pour chasser Kabila du pouvoir. Kabila, c'est un ancien rebelle. C'est un militaire, malgré qu'il y ait une petite formation militaire. Mais c'est un militaire sans formation qui est formé juste à tuer. Alors, c'est pourquoi il est en train de tuer tous les jours et personne ne le dérange. Et pour les chasser du pouvoir, je ne pense pas qu'on va le faire par le moyen des élections. Nous avons tous la volonté, nous avons tous cette volonté de voir des élections s'organiser. Quand les élections étaient en sa faveur en 2006, il les a organisées. En 2011, il les a organisées parce qu'il savait très bien qu'il allait tricher. Mais maintenant, en 2016, comme la même constitution qui lui avait donné le pouvoir d'organiser les élections lui interdisait de participer, il a cherché des contextes, des prétextes pour ne pas les organiser. Et aujourd'hui, ça se concrétise petit à petit. À moins que vous soyez naïf, mais si vous suivez très bien la scène politique ou le déroulement des événements, ou bien sur la scène politique congolaise, vous allez comprendre qu'il n'y aura pas d'élections cette année. Ou, s'il y en aura, ce ne seront pas des élections libres et apaisées, ça serait comme avant, des élections triquées, où tout le monde ne saura pas participer. Alors, l'erreur est grave. Nous lançons cet appel. Cessez de distraire les gens. Passons maintenant à la vitesse supérieure. I've had this problem. Big problem. I really, really need it. A good accountant and business advisor. And I kept searching and searching. Ah! There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes. Thank you. If you were looking for one as well, look no further. Here's a really good one. Just use mine. Use mine. I'm very satisfied. Definitely recommend. Problem gone. Thank you. Nous assistons à un phénomène où, dans tous les quartiers généraux du monde entier, dans tous les pays, l'Ouganda, l'Angola, jusqu'en France, aux États-Unis, on est en train de débattre le problème du Congo. Et nos politiciens se multiplient des voyages à l'extérieur du pays pour aller consulter ce que le feu était considéré comme les décideurs internationaux. Alors, l'histoire se répète. C'est-à-dire que la solution du Congo doit venir de l'extérieur. Mais les Congolais, soyons quand même conscients. Nous devons prendre conscience, en tant que citoyens congolais, de voir que, ou de dire que la solution à nos problèmes viendront de nous-mêmes. Je peux vous donner un petit exemple. Nous partageons des frontières ou des rivières, des lacs avec des pays limitrophes. Je pourrais prendre l'exemple du Rwanda. Les lacs Kivu, on les partage. Mais à ce moment ici, le Rwanda est en train d'extraire des gaz méthane sur le lac Kivu. Qu'est fait le gouvernement congolais? Rien.
Le pétrole avec l'Angola. Nous partageons des frontières d'exploitation de pétrole avec l'Angola. Mais l'Angola est en train d'extraire le pétrole. Et le Congo, rien. Nous partageons les lacs Tanganyika avec Tanzanie. Je pense qu'ils ont multiplié des pêcheries industrielles du côté Tanzanie. Qu'est-ce que les Congolais font? Les gouvernements congolais font rien. Nous devons vraiment prendre la conscience. Et on ne pourra pas prendre conscience avec un pouvoir d'occupation. Pouvoir qui est venu d'ailleurs, avec des étrangers qui sont en train de diriger le Congo aujourd'hui. Nous avons une problématique des nationalités. Dans notre Sénat, il y a plus de 50 personnes qui ont des nationalités étrangères. Au Parlement, n'en parlons même pas. Et dans toutes les institutions du pays, il y a des gens qui détiennent la double nationalité ou bien qui sont des étrangers à 100%. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous taisons parce que nous nous sentons concernés par la problématique. Mais le pays ne pourra pas être dirigé comme ça. C'est-à-dire que la loi doit s'appliquer à tout le monde. Si nous maintenons qu'il y ait l'exclusivité de la nationalité congolaise, tout le monde doit les respecter. Mais on ne peut pas tout simplement choisir des cas particuliers pour appliquer la loi. Non, absolument pas. Alors, les Congolais, nous devons prendre conscience. Les Congolais de la diaspora, je vous remercie beaucoup pour le travail que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire la conscientisation du peuple congolais et l'apport économique que vous amenez au Congo. Alors, nous devons continuer des actions comme ça, mais ça ne pourra pas changer des choses au pays. Nous avons besoin maintenant d'une action militaire pour chasser ces pouvoirs d'occupation. Mais on ne pourra pas les faire sans argent. C'est pourquoi nous demandons à tous les richissimes Congolais qui se sont fait fortune au Congo, avec des minerais du Congo, mais qui sont à l'extérieur aujourd'hui, en l'occurrence Moïse Katumbi et son frère Katebe Katoto, Syndicat d'Okolo, bien sûr que non, vous n'avez pas fait l'argent dans des ressources minières du Congo, mais vous avez une influence, vous êtes près de la présidence angolaise. Alors je pense que nous pouvons utiliser tout ça pour organiser une solution armée pour chasser Kabila du pouvoir. Parce que Kabila est en train de terroriser la population, tuer la population à sa merci, créer des zones de tension à sa merci pour s'en servir comme cause de ne pas quitter les pouvoirs. Alors, trop c'est trop. Océan TV Live.com avec Aluka Systématique, nous sommes ici et nous soutenons une solution armée aux problèmes congolais. Alors, soyez toujours branchés, nous allons vous apporter plus de détails, comment ça pourra être organisé. Nous avons parlé assez, mais c'est le moment de passer aux actions. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la prochaine.